Non, vous ne vous êtes pas trompé d'émission. Automoto est toujours programmé à 18h40. Mais aujourd'hui, 30 millions d'amis vous fait découvrir les rares moments de détente de l'un des meilleurs coureurs automobiles de Formule 1, Jacques Lafitte. Entre deux grands prix, Jacques vient se retrouver dans sa belle maison à côté de Nevers. Là, loin des rugissements des moteurs, il retrouve sa petite fille Camille, sa femme Bernadette et la petite chienne Joss. Mais pour le présent, Jacques Lafitte nous emmène à 280 km/h au volant de sa Ligier F1 pour le Grand Prix d'Argentine. Le jeu est parti, évidemment. Hein? Oui, Jacques Lafitte, votre secret pour gagner, c'est pas un peu la nièvre, la vie de campagne, les chiens, l'enfant? Ben, c'est un ensemble, je crois que la vie de famille, la vie à la campagne. Un coureur automobile a besoin de beaucoup de repos et de bon air et de calme, surtout. Alors, je crois que l'idéal pour un pilote automobile comme moi, c'est de vivre ici à Magny-Cours. Oui, c'était à se retrouver surtout. Exactement, c'est retrouver tout l'environnement que je connais bien, mon chien, ma fille, ma femme aussi bien sûr, de temps en temps. Et, ouais. Et j'acquis ici tout ce qu'il me faut comme un feu nerveux pour la course le week-end d'après. Et lorsque vous êtes au volant, là, par exemple sur une ligne droite à 280 km/h, vous avez le temps de penser un petit peu à ça, à vous rappeler un peu ce fait de bonheur? Non, pas du tout, et heureusement d'ailleurs, parce que je crois que pour faire une course, il ne faut pas penser à toutes ces choses-là. Donc, je n'y pense pas du tout. J'ai autre chose à faire le jour ou le dimanche. Je suis sportif, je considère que l'automobile est un sport et j'ai envie de gagner. Alors pour gagner, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices, et, dont ce genre de sacrifice, ne pas être chez soi tout le temps et surtout ne rien penser dans une ligne droite, c'est très important. Et quelle est la principale qualité d'un coureur automobile d'après vous? Je crois que c'est beaucoup, une énorme volonté, beaucoup de sacrifices dans sa vie privée et une hargne en permanence. Que pour arriver dans la course automobile où j'en suis en ce moment, il a fallu se battre énormément et être très, très hargneux avec la vie, avec beaucoup de choses. Oui, Jacques, comment ça se passe avec Jojo le chien et puis la petite fille, Camille?
Ben, ça se passe très bien, comme vous pouvez le voir. Je crois que la meilleure amie de Camille, c'est Jojo, justement. Et Jojo se laisse faire parfaitement. Je crois qu'un enfant, serait important qu'il y ait un animal dans une maison pour un petit enfant. Et elle, elle est contente, ça lui remplace un petit frère, une petite sœur qu'on aura plus tard. Oui, d'accord. Vous avez déjà eu des chiens quand vous étiez jeune? Oui, moi j'ai toujours eu un chien. Ça fait maintenant presque 20 ans que j'ai un chien à moi. Donc je suis très habitué avec les chiens et les animaux. Et quand j'étais petit, j'étais toujours à la campagne. Donc j'avais, ou soit suivant les vacances, une poule naine que j'avais éduquée, apprivoisée, un petit lapin. On a eu des tortures, enfin beaucoup de choses. Viens, cocotte, cocotte. Hein? Je demande à me voir un peu. Et puis alors, vous avez eu un chien qui vous a accompagné dans la course. Oui, avant Jojo, il y avait Lolita. Et Lolita est très connue dans le milieu automobile parce qu'elle m'a suivi vraiment pendant 13 ans. Hein. Elle ouais. est morte écrasée, la pauvre. Et je l'ai eue 13 ans tous les jours avec moi, vraiment couchée dans mon lit. Elle était avec moi dans le camion. Et quand j'étais tout seul, c'était une présence que je trouvais absolument indispensable. Quand je faisais 1000 km sans m'arrêter, j'avais toujours ma chienne à côté de moi. Et alors, vous avez aussi des chevaux dans une autre maison. Vous aimez beaucoup les animaux. C'est important oui. quand même pour vous, ce monde animal, je veux dire. Oui, moi je trouve que j'adore la nature, et la nature sans animaux, ce serait pas vraiment la nature. Alors, entre la pêche, les animaux, vous savez, quand je vais à la pêche, je vois beaucoup de vaches, de d'ânes, de chevaux, beaucoup d'animaux. On se rend pas compte comme un pêcheur, comme il faut être très discret au bord de l'eau, la discrétion amène aussi beaucoup de découvertes. Parce que un grand respect. Un grand respect. Donc en regardant les truites, on voit aussi beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'animaux que j'arrive à surprendre au bord de l'eau, que d'autres personnes ne peuvent pas surprendre parce que j'approche l'eau très lentement et très doucement pour éviter à la truite de fuir. Donc, en même temps, ça me permet de voir beaucoup de choses. Oui, parce qu'on a vu que vous aviez... Bon, vous êtes un coureur qui a une vie turpidante, etc. Mais pendant vos loisirs, c'est des loisirs bien remplis, si je puis dire. Qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs? Eh bien, je réponds à vos questions d'abord. Et puis, je vais beaucoup à la pêche. Si vous voulez, je ne peux pas rester en place. Hein, donc, il est hors question pour moi de rester chez moi toute la journée à rien faire. Alors, il faut que je fasse quelque chose. Alors, où je fais du jardinage, je tombe à pelouse. On plante des fleurs, ou alors je joue au tennis, je joue au golf. Je joue. Ah, celle-là est belle. Jojo, en fait, Jojo, elle s'appelle Joss. C'est son vrai nom. Et on l'a baptisé Jojo, c'est plus facile. D'où vient-elle? Elle vient de chez mon vétérinaire à Paris, qui me l'a donnée quand j'ai perdu mon autre chienne. Et il m'a téléphoné un jour, il m'a dit, tiens, j'ai trouvé, comme je ne voulais plus d'autres chiens après, parce que c'était difficile de retrouver un chien comme Lolita, il m'a dit, tiens, il y a une dame qui rentre à l'hôpital, qui n'en sortira pas, donc elle a un chien, elle sait pas qu'elle voudrait bien le donner. Et j'ai pensé à toi, parce que c'est vraiment le chien qu'il te faut, alors je l'ai pris, puis effectivement. Mais alors, elle attend à la maison. Ben oui, elle a moins de chance que Lolita, parce que je voyage maintenant dans le monde entier, c'est très difficile d'emmener son chien avec soi, mais en Europe, généralement, si je pars en voiture, elle vient tout le temps avec moi. Et le reste du temps, ben oui, elle est ici, elle est bien ici. Et pour parler d'un autre sujet, Madame Lafitte t'accompagne sans arrêt. Oui, Bernadette est toujours... Oui. Moi, j'ai besoin de Bernadette. C'est important pour moi, c'est... Pourquoi? Ça fait partie de ma vie. Parce que c'est une tranquillité d'esprit. Quand elle est avec moi, je sais très... Elle n'est pas ici, je sais où elle est. J'ai pas d'inquiétude à avoir à son sujet. Je suis très heureux. C'est un peu le problème maintenant qui se pose avec Camille. D'ailleurs, j'aimerais bien être avec elle plus souvent, mais... Enfin, je me fais une raison. Moi, j'adore la famille, hein, faut bien comprendre. Et ma famille, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, c'est ce qui me manquerait certainement le plus. La famille dans la nature. Oh, oui, bien sûr. Oui, ça va ensemble, je trouve.